Chers amis, Monsieur Francis Perrin va prendre son pied. Parce que ce sont les pas de Molière, vous allez faire un pas. C'est les deux, là. Le premier, là. Oui. J'avais l'avec un pied, c'est bien. Ça se braque comme un autre sur les limites. C'est vrai, mais tout ce que j'ai raconté, c'est. Tu expliques la technique, hein. Appuie sur le vent, comme si tu avançais. Appuie bien, hein. Appuie bien. Et on avance, on avance. Voilà. Merci. Fais le ah, ça, ouais. Voilà. Bravo. Monsieur Perrin, vous êtes à côté de nous. Ah oui, oui. Ah, j'étais plus discret du droit. Hein. Voilà. C'est un plus un. Là, je vais plutôt vers la gauche, moi. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, c'est impeccable. Voilà. Ah oui, c'est chouette. Voilà, hier, on a eu quoi, la préhistoire. Là, je pense que vous pouvez vous mettre. Il faut que je C'était mieux la première fois. Très bien, merci, c'était magnifique. Parfait. Il s'en passe des choses aujourd'hui. Oh là là. Si. Allez. Ah, allez, voilà. Allez. Et alors, je vais faire une farce. Je vais faire une farce. Qu'elle soit. Non. Ah non, je remarche dessus. Oui, c'est la vertu. Ah voilà. Bah, écoute, je suis très ému. Ça me touche beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis très ému d'être dans ce théâtre qui est magnifique, qui a été c'est assez extraordinaire. Ça respire le théâtre. C'est une chose. Vraiment, je suis très ému parce que moi, je l'ai vu, puisque ça fait 1973 quand j'étais à la Comédie Française, donc ça fait presque 40 ans quand je suis rentré à la Comédie Française, et qu'on est venu jouer avec les Tréteaux de France. Donc avec Jean Danet. Attendez, avant de commencer, on m'a donné un petit micro là. Est-ce qu'on entend? Non mais vous, oui, je pense que ça va. Mais le petit micro, est-ce que ça va ou pas? Oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui filme? Alors, est-ce qu'il peut me dire si ça va ou pas? Ah, bah, ça marche, alors. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Bon, alors, je crois qu'on va se passer de micro, là. Hein. Enfin, celui-là. Oh, si! Me faites pas l'insulte que je ne me... de me dire qu'on ne m'entend pas dans un théâtre. Ça, c'est pas possible, hein. Donc... comme je vous ai dit, je suis venu avec les Tréteaux de France, qui étaient dirigés à ce moment-là par Jean Danet, jouer à Pézenas, avec émotion, puisque, étant un féru de théâtre depuis ma tendre enfance, puisque mon père et ma mère travaillaient dans le cinéma, étaient la script girl et l'ingénieur du son de Sacha Guitry, entre autres. Mais c'est pas pour cette raison que j'ai eu cette vocation, puisque je ne savais pas, à 4 ans, qu'il faisait donc ce métier de technicien de cinéma. Et mon père, un jour, m'a offert un guignol, donc un petit théâtre qui est arrivé comme ça. Et il paraît que j'ai demandé, mais c'est quoi ça, mon père? Il dit, c'est un théâtre. Et il paraît que j'aurais dit à 4 ans, je ferais du théâtre. Donc, c'était fait. Donc, voilà. Donc, mes parents n'étaient pas responsables de ma vocation. C'est à cause de ça. Je savais déjà que je ferais du théâtre. J'ai eu la chance, après, qu'ils m'emmènent beaucoup au Théâtre National Populaire, qui était à ce moment-là dirigé par Jean Villard, où j'ai vu jouer Gérard Philippe, Daniel Sorano, Jean-Pierre Darras, Philippe Noiret, enfin, tous les grands comédiens qui étaient à ce moment-là au TNP. Et qui a confirmé, bien entendu, mon envie de monter sur scène. Et puis j'allais à la Comédie Française voir Robert Hirsch, voir Jacques Charon et tout, et je ne savais pas qu'un jour, j'allais jouer à leur côté. Et puis, dès l'âge de... mon entrée en 6e, c'était à 9 ans. J'étais très en avance. J'ai écrit une pièce, la première pièce que j'ai écrite, qui s'appelait Les Deux Barbouilleurs, que j'ai joué en classe donc de 6e avec un copain. Donc j'avais fait la mise en scène, j'avais raté. Ça s'appelait Les Deux Barbouilleurs. C'était l'histoire de deux peintres qui venaient peindre une épicerie. Alors l'un arrivait avec un seau de peinture jaune, l'autre un seau de peinture bleue. Alors il disait, moi on m'a dit de la peindre en jaune, moi en bleu, ma mère. Il y avait tout un petit dialogue, et il prenait les pinceaux, il s'aspergeait, et il voyait que ça faisait du vert, et il peignait l'épicerie en vert, et c'était un triomphe. Voilà, c'était, vous voyez, déjà, donc ça c'était mes premiers pas effectifs sur scène, et puis après j'ai fait mes études moyennement, assez brillant en français, en littérature, bien entendu, grand fan de Molière déjà, et donc je travaillais moyennement pour une raison très très simple, parce que j'ai très bien travaillé à un moment, puis j'avais les prix, et j'étais donc au premier rang de la classe, donc on me remarquait. Après, j'ai moins bien travaillé, on m'a mis au fond de la classe. On me remarquait aussi parce qu'on me surveillait très fort. Quand on travaille au milieu, moyennement, vous avez des trucs peu mieux faire, mais on vous fout la paix. Et ça me permettait d'écrire mes pièces et de lire Molière et tout ça. Donc j'ai passé des études jusqu'à mon bac, parce que mes parents m'avaient dit, tu veux faire du théâtre, passe ton bac d'abord, hein, c'était 1966, j'ai eu mon bac, et je dois vous dire aussi que je suis tombé sur un sujet en français qui était Molière. Et j'ai eu 17 sur 20, coefficient 4, et ma dissertation a été publiée dans le Figaro littéraire de cette époque-là. Ça veut dire. Voilà. C'est vrai, tout ça, c'est... Donc Molière, que pour moi, c'est un ami proche. D'abord, c'est notre patron à tous, hein, parce que tous les comédiens ont un respect immense pour cet homme. Et il se trouve que j'ai écrit un livre, il y a quelques années, qui a paru chez Plon, qui s'appelait Molière, chef de troupe, où je racontais que Molière, arrivant à Paris, jouait devant le roi, et donc les 15 dernières années, et la vie avec la troupe, ce qui avait rarement été fait, parce qu'on parle bien sûr de l'auteur extraordinaire et
et de ses œuvres majeures, mais on parle rarement de ses rapports avec la troupe, avec les comédiennes, avec les comédiens, tout ce qu'il y avait. Et donc, je me suis passionné à faire des recherches, bien entendu. Mais quand je suis venu la première fois à Pézenas, j'étais voir la boutique du Barbier Gély, bien sûr. Et puis, je me suis tellement senti bien ici, parce que c'est une ville d'abord conviviale, enfin très très accueillante. Et j'y suis revenu. J'y suis revenu un nombre de fois incalculable pour jouer, et toujours avec un plaisir énorme, enfin, pour jouer Molière, pour jouer Shakespeare, et là ce soir vous verrez donc Le Silo dans la tête, une pièce plus moderne, bien entendu, et comme a dit Christian, qui vous distraira pendant une heure, là vous allez rire pendant 1h40, ça je vous le garantis, parce que là on l'a joué tout de même à Paris 120 fois. On a fait que 3 représentations donc en festival, et on fera une tournée l'année prochaine de janvier à avril dans toute la France, la Belgique, la Suisse. Donc là, et on tournera à la télévision quand ça sera terminé. Donc je suis encore très content de revenir à Pézenas, mais c'était pour vous dire que quand je suis revenu jouer Molière, une fois, on m'a fait la surprise, on m'a dit, tiens, tu vas suivre le chevalet. Et donc j'ai fait toute la route du chevalet, et avec les comédiens qui jouaient avec moi des farces de Molière à ce moment-là, on a eu le privilège extrême, le bonheur de jouer à l'hôtel du Bas d'Argent, dans la cour de l'hôtel du Bas d'Argent, où Molière a joué le médecin volant, a créé le médecin volant ici. Et il l'a joué dans ces mêmes lieux, on a pu jouer autour du puits, et ça a été un moment pour tous les comédiens qui étaient avec moi, et pour moi, je dois vous dire, inoubliable, parce que vraiment ici, Molière a sa place, on sent qu'il est là, quoi. Et ça, moi je suis très très sensible à ça, à cet homme extraordinaire. Mais simplement, est-ce que, à l'époque de Louis XIV, où Louis XIV protégeait Molière, ce qui était tout de même une chose très très importante et très rare. Il a été attaqué sur tous les fronts. On l'a attaqué d'homosexualité, on l'a attaqué d'inceste, on l'a accusé d'inceste. On l'a attaqué avec les dévots, avec Carpin, ça a été très grave. Il y avait jusqu'au curé qui en chair demandait qu'on brûle Molière. Enfin, je veux dire, ça a été très très loin, quoi. C'était le diable. Enfin, on l'a attaqué aussi parce qu'il avait du succès. Pas un critique, pas une personne, pas non plus cet imbécile de frère de Corneille, Thomas Corneille, nul, qui haïssait Molière, n'a dit, durant toute cette époque, Molière n'a pas écrit. Enfin, c'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas une personne qui durant le XVIIe siècle, a soulevé ça. C'est arrivé au début du XXe siècle, parce que Pierre Louis a lancé ça un jour, et ils se disent, ah ouais, c'est peut-être Corneille qui a écrit. Molière était un homme exceptionnel, c'était un chef de troupe, c'était un homme hors du commun, c'était un comédien hors du commun, c'était un grand auteur, c'était un travailleur, et qui s'est sacrifié pour toutes les personnes qu'il avait vécues pendant 15 ans. Enfin, il a fait vivre toute une troupe, il a fait vivre les techniciens, il a fait vivre tous ces gens-là par sa passion du théâtre, par son talent et tout. Et puis, il y a encore une autre chose. Corneille, il a écrit des très belles pièces, hein, on est d'accord, le Cid, Sina, Boyeux, ok. Les comédies, il y en a deux. Le menteur et l'illusion comique. Bon, c'est pas terrible, hein, ils sont bien, mais enfin, c'est pas terrible. Il en a écrit d'autres, après, qui étaient à foutre par les fenêtres, excusez-moi, mais vraiment. Comment ce type qui écrivait des bonnes pièces pour Molière ne se les pas gardées pour lui. Donc, je veux dire, on n'a jamais répondu à ça. Molière a donc écrit ses pièces, existe, joue, c'est l'auteur le plus joué dans le monde entier. Et c'est pas pour rien. Et puis, vous savez, quand on est comédien, quand on joue Molière, on sait que c'est un comédien qui a écrit ces pièces-là. Moi, j'ai la chance de jouer beaucoup de Molière, d'en mettre en scène, et je peux vous dire que le moindre petit rôle, moi je me souviens quand au Français je jouais
dans Les Femmes Savantes, le petit valet qui a une réplique, qui porte un tabouret, il s'appelle Lépine, et il tombe, et ça lui dit, mais puis la main, tu lui dis, mais tu ne peux pas faire attention et voir ton équilibre, et il lui répond, je m'en suis aperçu, madame, étant par terre. Bon, ça fait un triomphe, exactement comme Falloret. Donc le plus petit rôle a quelque chose à faire. Et ça prouve que c'est un comédien qui a écrit les pièces, comme Shakespeare d'ailleurs. Mais comme on ne reconnaît aux comédiens, aux saltimbanques, on ne reconnaît pas le droit d'être un génie, et ben si. Enfin, Molière est un génie, et il est reconnu dans le monde entier, et en France aussi. Et puis voilà, et c'est pas pour quelques imbéciles qui vont nous le décrier. Donc Molière, c'est un homme extraordinaire. Parce que c'est un amoureux du théâtre. Bon, il voulait être tragédien. Ça, c'est une erreur. Parce que ça, c'est vrai. Madeleine, elle lui a dit, il voulait être tragédien. Il était très, très mauvais parce qu'il avait un défaut de prononciation. Il butait sur certains mots. C'est vrai. Donc, voilà. Et donc, il avait une diction assez spéciale et qui faisait rire. Donc, voilà. Et quand il est venu jouer la première fois devant le roi et protégé par le frère du roi, donc au théâtre, au Louvre, donc en 1653. Attendez, mais c'est ça, 1573. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, puisqu'il est mort en 60. Non, en 50. 1658. Voilà. Il est venu jouer devant le roi au Louvre. Et il a joué Nicomède. Donc, c'était bien. Ils ont eu un succès assez. Enfin, comment dire, poli. Voilà. Et puis, que Madeleine a dit, mets-toi, joue une farce. Je lui ai dit, non, on devrait. Si. Alors, il est allé devant le rideau. Il a fait sire, nous sommes que de pâles copies, parce qu'il y avait les gens du théâtre du Marais, et puis donc qui étaient là pour descendre Molière. C'était les troupes qui. Enfin, il y avait les deux troupes qui étaient les chefs, donc il y avait le théâtre pour eux, et il fallait que personne d'autre vienne. Et là, il a fait, nous sommes que de pâles copies, mais si vous voulez bien, sire, je vais vous interpréter une farce qui nous a valu quelques réputations dans les provinces. Et il a joué, à ce moment-là, le docteur amoureux, dont le texte a été perdu. Et là, le roi rit, et ça a été le grand départ de Molière. Après, nous savons son grand succès, son premier succès, les précieuses ridicules. Et puis après, le grand succès de l'école des femmes, bien entendu. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a des pièces qui sont très très jouées, comme L'Avare, Le Misanthrope et Les Fourberies de Scapin. Et ces trois pièces-là n'ont pas eu un grand succès du vivant de Molière. Alors que ce sont trois très très grandes pièces, mais qui n'ont pas eu le succès attendu, comme d'autres l'ont eu, comme L'École des Femmes, comme Le Bourgeois Gentilhomme, ou comme Les Grandes Pièces, bien entendu. Alors, il y avait aussi une chose très très drôle, c'est que Louis XIV aimait beaucoup une pièce qui s'appelait Sganarelle ou Le Cocu Imaginaire. C'est une pièce en un acte, en vers, et qui avait un gros succès. Il demandait à chaque fois que Molière faisait des représentations pour la cour, de lui jouer après encore Sganarelle. Et vous savez pourquoi? Parce que il y avait un monologue de Sganarelle qui venait comme ça et qui disait je crois que je suis cocu, et puis il regardait comme ça le parterre, il fait, mais ce qui me console, c'est que je m'aperçois que je ne suis pas seul de ma confrérie. Et Louis XIV, qui était au milieu de tous les cocus, vous pensez que ça lui faisait plaisir. Et ça, c'est la pièce qu'il a le plus jouée, Sganarelle, dans toute sa vie, parce que Louis XIV, à chaque fois, lui disait, oh, Molière, s'il vous plaît, jouez-moi Sganarelle encore. Et ben voilà, donc ça, c'est... Et je dois dire que quand je l'ai joué, je faisais ça aussi, et ça faisait autant rire. Hein, donc, c'est que ça n'a pas bougé, tout ça. Alors...
Voilà, ben, je voulais. Bon, moi, ben, je vous ai raconté un petit peu des choses pêle-mêle. Je voulais vous dire aussi que c'est vrai que, enfin, comme a dit Christian et comme on dit, que je suis le parrain d'une association qui s'appelle PASAPA pour les enfants autistes, parce que j'ai un de mes enfants, Louis, qui a 10 ans maintenant et donc qui est autiste, qui était autiste sévère, et grâce au traitement ABA, donc qui est l'analyse appliquée du comportement, qui est un traitement qui se fait dans le monde entier depuis plus de 40 ans et qui est un traitement sans médicaments, qui est un traitement de simulation, de répétition, d'apprentissage et tout. Bah, grâce à ça, lui maintenant est autonome à la maison, il est brillant, il est brillant à l'école et tout. Et donc on essaye avec mon épouse, on a écrit ce livre aussi pour donner l'espoir qui existe, pour que les autorités maintenant, bon, ça a commencé avec la Haute Autorité de Santé qui a reconnu que les traitements comportementaux étaient plus importants que ceux de la psychanalyse, parce qu'ils avaient des résultats, et qu'il faut qu'en France maintenant, il faut que ça avance, et il y a encore du boulot à faire pour ça, et je remercie du fond du cœur le don que vous allez faire pour cette association, parce que ça, que pour les parents, pour les enfants qui sont pris en charge dans le centre de Villeneuve-d'Ascq, dont je suis le parrain aussi, c'est très important, et je vous remercie du fond du cœur. Et puis, je voulais vous dire que venir à... J'aurais bien passé encore une heure de plus avec vous, mais merci de votre accueil, et puis vive le théâtre, et vive Molière, et vive Pézenas. Par les membres de la Mirondelle, dont Michel Capus, Florent, Jean-Pierre. Je suis très touché, vous savez que
suis très très attaché à Pézenas et ça fait presque 40 ans maintenant que je viens jouer dans cette belle ville et je me sens pissenois d'adoption. Bravo.